Eh bien, salut à tous la Team Z, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comment trouver la chaussure secrète dans la map créative Fishtopia pour avoir donc les variantes des skins Hangtime et Swish, et en plus de ça avoir le spray gratuit spécial Fortnite X Jordan. Donc je vais vous montrer la procédure à suivre. Donc pour y aller, vous avez la map créative dans les nouveaux modes de jeu et avec le code bien sûr qui sera en description, etc. De cette vidéo. Une fois que vous êtes à l'intérieur, les gars, il va falloir suivre une marche spéciale, d'accord, hein, donc un processus et des étapes pour pouvoir avoir à la fin l'accès à la chaussure qui vous débloquera la salle spéciale VIP pour faire vos défis, donc prodigieux. Donc pour rentrer dedans, une fois que vous êtes dans la map, les gars, vous allez devoir faire des actions, d'accord, pour débloquer cette fameuse chaussure Jordan, d'accord, cette basket. Donc la fameuse chaussure Jordan, eh bien, vous allez devoir pêcher un certain type de poisson pour la débloquer. Les poissons, vous allez devoir les déposer là où je suis actuellement, sur la carte, d'accord. Et plus particulièrement, vous allez devoir trouver des poissons failles. Donc poissons failles qui seront à pêcher sur la carte. Je vais vous donner les astuces. Vous allez regarder, d'abord aller voir cet endroit-là, l'endroit où il y a la chaussure, et vous allez essayer de la prendre. Et ils vont vous dire du coup que c'est impossible, puisque vous allez devoir à gauche collecter des poissons failles, d'accord. Donc c'est écrit en anglais, mais c'est ce que ça veut dire. Et des poissons failles, pour les avoir, il va falloir faire une canne à pêche. Donc pour faire une canne à pêche, vous allez revenir à l'endroit de départ. Donc là où vous étiez au départ, c'est ce qu'on va stepper direct, hop. Et vous allez devoir crafter une canne à pêche avec des ossements et donc des petits écrous, là où j'étais à l'instant. Une fois que vous avez crafté votre canne à pêche, vous allez pouvoir pêcher à tous les coins de pêche disponibles donc dans Fishtopia. Et quand vous allez trouver assez de poissons failles, vous allez pouvoir les donner donc dans les fameux bacs que je vous ai expliqué en début de vidéo. Une fois que vous avez donné assez de poissons failles, ça va vous débloquer la quête et vous allez pouvoir débloquer la chaussure. Une chose qui peut être faite, c'est que vous jouez aussi avec des potes et vos potes qui sont dans l'équipe adverse, ils peuvent aussi vous donner leurs poissons failles et inversement, vous pouvez leur donner également vos poissons failles pour remplir. Regardez, moi j'en ai 7. Si jamais j'en mets 7, du coup ils vont apparaître en boucle et en boucle et en boucle, comme par exemple le poisson guerrier à l'instant, et je vais pouvoir les donner à mes potes qui vont eux du coup valider aussi la quête. Donc c'est ce qui s'est passé avec Buzz le Killer, il était avec moi, regardez, il a eu plein de poissons failles parce qu'il avait déjà réussi à valider la quête, et ensuite il me les a tous donnés. Une fois que je les ai pris, je suis allé moi valider ma quête, ensuite on a fait ça, on les a donnés à Clara, etc. pour pouvoir tous débloquer la chaussure dans le mode de jeu. Donc là, je vais les déposer, comme tout simplement à l'endroit où je vous ai dit, regardez, hop, là ça nous donne donc des poissons infinis. Et là, vous pourrez le donner à vos potes, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la chaussure. Une fois qu'on récupère la chaussure, on retourne à l'accueil. Et ensuite, on va pouvoir accéder à la salle VIP pour aller faire nos défis prodigieux, tout simplement, et débloquer les variantes secrètes des skins, le spray gratuit et de l'XP, tout simplement, et beaucoup de fun. Donc, je vais vous montrer, lorsque je vais revenir dans le menu pour récupérer la chaussure, hop, c'est fait. Là, on va revenir au menu pour accéder à la salle VIP. Lorsqu'on accède à la salle VIP, du coup, on aura 4 étapes par salle. Donc la salle numéro 1 en faisant une map créative, etc. Deuxième étape en faisant deux maps créatives, etc. Bref, dans tous les cas, je vais vous mettre toutes les maps créatives sur ma chaîne. Ça, c'était la première, Fishtopia. Je vais mettre les autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre le petit code créateur Telmo-Lopez. Je vous dis à tout à l'heure, à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de rester zen. Ciao.